Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Il est un mot, il est un nom de pays que chaque fois qu'on le prononce, j'ai le cœur serré, j'ai mon sang qui se glace. Ce mot c'est Bénin. Ce pays c'est le Bénin. Le Bénin aujourd'hui c'est le pays de ma conscience. Ça fait 17 ans que je me promène, que je vais et je viens avec mon deuil. J'ai perdu 17 coffifiles, 17 amis qui sont venus au stade de Cotonou parce qu'ils aimaient Koffi Olomidé. Je n'oublierai jamais. Je suis parti de l'hôtel Sheraton à l'époque avec des larmes aux yeux. On me demande chaque jour un peu plus de revenir au Bénin. Ma réponse est, si vous ne me donnez pas l'occasion d'aller m'agenouiller devant les familles, devant les tombes, de demander pardon aux familles endeuillées, je ne reviens pas au Bénin. Vous qui m'écoutez, posez la question aux familles qui ont perdu un de leurs membres ce jour-là, au stade de Cotonou, s'ils sont prêts à m'accorder leur pardon. Moi, je me trouvais à l'hôtel, je n'étais pas encore au stade. Et on est venu m'annoncer qu'il y avait 17 personnes qui ont perdu leur vie dans ce stade avec l'organisation de l'organisateur que nous savons tous. Qu'à cela ne tienne, j'ai ma part de responsabilité parce que c'est moi qui devais chanter ce jour-là, ce soir-là. J'ai déjà demandé pardon aux familles. J'ai déjà dit mes condoléances. Mais cela ne me fait aucune peine, ne me pose aucun problème de redemander pardon à chaque famille, de dire mes sincères condoléances à chaque famille qui a perdu une fille, un garçon, un parent. Si ce pardon m'est accordé, je reviendrai au Bénin. C'est peut-être le pays qui est le plus important dans ma carrière. J'aime le Bénin. Donnez-moi l'occasion de revenir au Bénin. Fleurir les tombes. Saluer les familles. Merci de m'avoir compris. Je m'appelle Koffi Olomidé, le Quadra Koraman. Merci.